Salut à tous, salut les abonnés. Allez, aujourd'hui, avant-dernière vidéo de la série des cadeaux de Noël. Allez, on va pas faire durer le suspense. Donc, pour cette quatrième vidéo, là, on va avoir des blisters et un coffret. Donc, on commence avec cet autocar, autobus. Un Man Lion Scotch. Et voilà. Ce très joli autobus Man. Il a vraiment une super belle déco. Hong Kong, Berlin, oui, bien sûr. En bus. Alors, je crois qu'ils ont changé les jantes. Il me semble que c'est des nouvelles, ça. Ça me parle pas trop ces jantes-là. En tout cas, il est bien réussi. Il n'a pas le défaut du pare-brise qui se décolle. Et ça, c'est du 2021, je crois. 2022. Allez, blister suivant. Celui-là, je l'ai acheté chez mon libraire parce que il fait l'effort de ramener des miniatures dans sa boutique. Donc de temps en temps, moi je lui en prends. Et puis là, ça tombait bien parce que c'était un modèle que je n'avais pas. Très sympa ce petit modèle. Avec une déco un peu safari, un peu comment dirais-je? Bon, j'ai pas le terme. Un peu campagne. Voilà, on dirait qu'il a été dans la boue. Et derrière, on a une très jolie caravane. Avec le logo Explorer. Donc la caravane toujours avec son châssis métal. Voilà, je suis bien content de ce modèle, il est sympa. Ce petit Ford là, Ford F-150. Allez, on continue. Troisième blister. Un joli T3 avec sa caravane. Eh ben, ça en fait de l'emballage. Celui-ci, il est en toit plat, mais je pense que c'est un toit qui doit être relevable. En tout cas, il est super sympa. Safari Expérience pour la déco de celui-ci. Avec la petite caravane. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Ça doit être marqué quelque part. Eriba Puck. Voilà, donc elle a une porte qui s'ouvre. Voilà. Lui aussi, il a sa porte latérale qui s'ouvre. Il a un petit pot de suspension. Il roule bien. Allez, à suivre. J'essaie d'aller un petit peu plus vite qu'hier. On a un joli coffret avec trois voitures. J'allais dire que je n'avais pas, mais en fait si, maintenant j'ai la chargeur. Alors la chargeur, et ben cette chargeur, elle a le même problème que l'autre, c'est-à-dire que le capot, ben, il veut pas se fermer complètement, donc il va falloir que je regarde pourquoi. Je pense que le moteur est trop chargé. La déco, elle est magnifique. On a un orange mat avec
deux bandes noires satinées sur la partie supérieure. On a une déco satinée noire sur le côté. Chargeur RT. Pardon. Et des roues avec un petit insert chromé orange. Très très peu de suspension. Et des roues façon pneu, mais juste en plastique. Voilà. Superbe auto. Ensuite, on a cette très jolie voiture. Je ne sais pas ce que c'est. Honda Civic Type R. Alors, je l'avais en rouge, toute simple. Mais là, avec cette déco, je ne l'ai même pas reconnue. Alors, gris mat, avec pas mal de tempo dessus. Très jolie la face avant. Le hayon en ouvrant. Les jantes sport noires. Vraiment un très beau modèle. Et la dernière, alors ça, je reconnais pas le modèle. Je reconnais pas le modèle. Toyota GT86. Bah pourtant j'en ai. Mais avec la déco, j'ai pas reconnu le modèle. Je pensais que c'était un modèle que j'avais pas. Donc on a des liserés chromé rouge sur les roues, une déco sport, on a des ouvrants, une conduite à gauche, l'arrière c'est de la tempo, voilà. Ouh, elle roule bien celle-là. Ouais. Elle est vraiment sympa. Voilà pour cette vidéo. J'ai essayé de faire un petit peu plus court qu'hier. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!